Donc, on va voir comment rajouter une étiquette sur Moodle. Donc, si on veut travailler sur la plateforme eCampus de la faculté Sciences Millenia. Donc, la première des choses, donc, on va commencer par se loguer. Donc, on va commencer par se loguer dans notre espace réservé cours. Donc, on choisit le cours. Par exemple, là, je suis dans mon espace, donc dans mon cours. Donc, je reviens à accueil. Donc, je prends, par exemple, ce cours-là. Je veux rajouter une étiquette. Une étiquette où je vais écrire, par exemple, enregistrement, capsule, cours magistral. La première des choses, c'est que je dois aller vers le menu d'action, cliquer sur la petite roulette et, activer le mode édition. Donc là, j'active le mode édition. Donc une fois le mode d'édition activé, je dois chercher la section sur laquelle je vais mettre mon étiquette. Donc je sélectionne la section recherche de l'information. Donc ensuite, je clique sur la rubrique ajouter une activité ou une ressource. Bon, évidemment, à partir de ce menu-là, je peux tout rajouter, les ateliers, les bases de données, les chats, les devoirs, les forums, les consultations, tout ça, c'est ce qu'on appelle activité sur Moodle. Mais je peux aussi rajouter des ressources, des dossiers, des étiquettes, des fichiers, des livres, des pages, etc. Donc, pour le moment, on va s'intéresser à étiquette. Donc, je coche étiquette, puis après, je mets ajouter. Donc, vous avez un éditeur WYSIWYG, normalement qui est très limité, mais qui peut faire l'affaire. Donc, et c'est là où je vais écrire mon étiquette. Par exemple, je vais dire enregistrement, capsule numéro 1. Cours magistral. Voilà. Puis après, je peux le mettre en forme. Comme sur MS Word ou autre chose, je peux le mettre en forme. Là, je vais choisir taille 14, par exemple, grand, puis après, une couleur que je choisis. Donc, une fois que j'ai fait tout cela, donc évidemment, donc j'ai créé mon étiquette. Donc mon étiquette, elle est là, visible, bien claire. Je dis enregistrer et revenir au cours. Donc vous voyez automatiquement l'étiquette, elle est créée. Maintenant, je veux intégrer un lien YouTube, un lien d'un cours que j'ai mis sur YouTube ou bien sur Drive, etc. Donc évidemment, il faut avoir le lien. Par exemple, là, je prends le lien ici. Donc, je prends cette vidéo-là. Puis après, dans partager, je prends le lien correspondant à cette vidéo. CTRL-C. Je reviens là et je peux créer une nouvelle étiquette si je le souhaite pour ça. Par exemple, je crée une nouvelle étiquette. Mais je peux le faire dans la même étiquette si je le souhaite. Donc, ajouter une étiquette. Puis après, de la même manière, donc je vais écrire par exemple lien YouTube. Puis après, là, donc, si vous voulez insérer, éditer un lien, je clique sur insérer, éditer un lien et je mets mon lien ici. Donc, URL du lien. Donc, si je souhaite que la vidéo s'ouvre dans le même cadre, donc je laisse dans la même fenêtre. Si je veux que ça s'ouvre sur une autre fenêtre, donc évidemment, je clique ici. Puis après, je vais dire nouvelle fenêtre. Donc là, je vais dire lien YouTube comme tout simplement titre. Et je dis insérer. Donc là, mon lien, il est là. Donc, je vais dire enregistrer. Et revenir. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai ma vidéo qui apparaît avec une petite image correspondant à la vidéo
Pour exécuter ça, donc je vais essayer de quitter le mode édition. Donc je quitte le mode édition. Puis après, je reviens sur la vidéo. Je clique. Voilà, ça s'ouvre. Si je veux agrandir la fenêtre, bah, tout simplement, je le fais comme ça. Et vous avez la fenêtre qui est agrandie. Il n'y a pas de publicité. Très bien, bon courage.